Pourquoi? Mais du coup, il faut
même si Macron ne veut pas, nous on est là, on est là. Ah, le bête, il est tombé. Depuis 3 ans là. Ouais, le problème de santé. Depuis que de l'hôpital. Non, je ne sais pas que c'est. Il y a quand même une tasse.
Avec sa tête, le poids sur la tête.
Ah bah, je vais aller prendre ça. Ceci n'est pas une banane, ce n'est pas une vraie petite banane. On est coupé par les prochaine viande à varier. On n'a pas connu. Ça va? Non. Oh, je te connais, toi. Je vous ai vu de loin. Attends, Iris. C'est le roi. Oh, excuse. Allez-y, madame. Excuse. Ouais. Quand t'as plus rien à perdre, ouais. Alors la révolution. Ah oui. Les gens ils réalisent pas. Hein. Les gens ils s'en foutent. Tellement qu'ils s'en foutent. Ils auront plus rien à manger. Oui, ouais, ça viendra. À la fin de l'année quand les voilà. Ouais. Je sais pas. Bon, non, elle s'en fout. Elle papa, moi. Oui, c'est ça. Toujours des moutons. Révolution, pas d'interrogation, ça arrivera jamais. Parce que je me suis dit, en fait, le problème c'est que leur truc il est contre-productif. Parce qu'en fait, ils font flipper tout le monde en France depuis 3 ans. On était en guerre contre le Covid, s'il te plaît. En guerre. Tout le monde a peur. Et franchement, mais à force d'avoir peur. Un remède qui fait plus de temps que le mal. Sauf qu'à force d'avoir peur. Oh, que c'est beau! Alors c'est qui ça? Ça, c'est les mille, c'est mes chacs. Allez, on monte un peu. Allez. Merci d'être avec nous. Fais attention à toi. À bientôt. Et toi aussi. Oh, moi, j'aurais présenté Canada ici. Canada. Canada, non. Oh, merci non, d'être avec nous. Canada et Québec en même temps. C'était pas méchant. Merci. Je vois les Français qui sont pas là. Les Canada, ils sont là. Eh bien, oui, ils sont pas plus tard. Merci à eux. Heureusement qu'il y a des Québécois, des Belges, et à droite avec nous. Hein. Ça va repartir les gilets jaunes. Parce que les syndicats vont dédier leurs proches. Là, ça commence. Et donc, les gens vont aller sur leur télé. Les gilets jaunes vont repartir. C'est obligé. J'ose pas. Dans la CFDT, déjà, il a rendez-vous, Berger, il a rendez-vous avec Elisabeth Borne dans la semaine. Ouais, il discute. Il y aura un peu plus. Oui, c'est ça.
C'est un spectacle. Oui, mais il représente le sens de la CFDT. Il représente beaucoup de choses en Oui, je sais, il y a le premier syndicat de Mais les gens vont m'assurer. On va sur le remercier, même le syndicat de la CFDT. Ah, c'est pas, c'est une bonne nouvelle. Là, j'étais en train de penser que, ok, ben super, moi je pense à toi. Et par contre, il va y avoir beaucoup plus de violences policières parce que ce sera des manifestations. Ça arrête, qui sont encadrées. Ça fait ça comme ça, puis t'as vu les violences policières, que ce soit des femmes, des enfants, n'importe qui, allez, paf, paf. C'est horrible. Moi, je n'ai jamais, mais tu n'as jamais gagné quoi. Mais femme, exactement. Tu n'as jamais, tu n'auras jamais raison. C'est ça. Je pense qu'on est quand même un état policier. Quand je vois qu'il y a des états comme la Hongrie, la Pologne, qui s'inquiètent de la liberté en France, j'ai mort de rire quand même. Ouais. Mais parce qu'ils ne voient pas avec les bons yeux. Ils peuvent pas, ils devraient enlever des lunettes de rétrécissement. On devrait leur donner des grosses. Si Bernard Arnault leur a dit qu'il fallait. Ah, ben, il faut. Je ne sais pas ce que les Français à la radio, qui disent ah, bravo, on est la femme la plus riche au monde, elle est la Oh, super, on est bien contents pour elle. C'est comment est-ce que les gens. Moi, franchement, ils sont en train de me faire un ulcère. Je jure, j'ai un ulcère à côté. Moi, chaque fois qu'il y a un pétard, déjà, ça me donne. Ouais, non, mais Marie, ça me fait peur. La radio et on t'en dira, on est bien fiers d'avoir la première fois. Sais-tu l'avantage qu'on a au Canada, c'est que non, c'est large comme ça. Ce qui passe là-bas, les journalistes, Max, souvent, que je suppose que c'est la France dans le pays. Là, tu pourras entendre un autre son de cloche à l'autre bout. C'est ça l'avantage. Tandis qu'en France, c'est tout petit, la France. Ils sont tous appelés. Hein. La télévision, la radio, ils sont tous appelés. C'est Internet. Il faut aller sur Internet pour avoir. Tu te fais traiter de complotiste parce que tu n'écoutes pas, non, c'est que tu voulais dire oui, complot. Ça dépend. Il y a une différence entre dire que la Terre est plate et dire que Bernard Arnault protège, tu vois, à tous les médias en France. On en reparlera, j'espère, je te recroise. On se recroisera. Je suis un peu close. Attention, ok. C'est quoi ton nom? Moi, c'est Marie. Sur Internet, c'est hashtag Marie Panique. Panique. Hashtag PAUCO. Je vais mettre des vidéos. Ta vidéo va être dedans. À tout à l'heure, merci. Bonne chance, toi aussi. Pareil. De la belle Christine. C'est à côté de la belle Christine. Super. La jolie Christine. De la résistance avec un char d'acier. L'esthétique de la résistance. Même combat.
retraite et climat, même combat. Bonne journée quand même, hein? Stop à la loi d'Armand.